C'est ici que tu bosses? Ouais, C'est cool. C'est mon petit bureau. Oui. C'est bien, c'est du bon plastique. C'est bien, j'aime bien. J'ai les mêmes à la maison. Non, c'est du vrai, mais... Tu les arroses tous les jours? Oui. Alors moi, je suis directrice de production chez Alta Production. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, tu as un client qui va venir du coup me pitcher son idée, ses idées d'émission ou d'événement ou de whatever, ce qu'il veut en fait. Et moi, je vais budgétiser le projet, comprendre voilà, tous ses besoins. Et ensuite, mettre la production, faire la production. Avec les équipes de prod, etc. C'est ça, coordonner en fait toutes les équipes, que ce soit communication, talent, technique tout, tout à fait. Dev, possiblement, s'il y a besoin d'un site ou autre. Ok, d'accord. On peut tout faire. On peut tout faire. Tout est possible, oui. Tout est possible. Votre besoin, tout est possible. Déjà, tu as eu l'idée, ça faisait un bon moment en fait. On en parlait. On en parlait depuis un moment, mais c'était une idée qu'on évoquait comme comme une espèce de rêve ou un fantasme d'émission idéale. Et on a commencé à sérieusement en parler à partir de décembre dernier, ouais. 2020. Et on a fait les premières réunions à partir de janvier 2021. Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. Et ensuite, il y a eu tout le process que du coup, tu as dirigé. Tu m'as posé plein de questions sur ce que je voulais, ce que j'imaginais et tout. Exactement. Et d'ailleurs, on avait fait l'exercice de la page blanche, c'est-à-dire de carte blanche, pas de problème d'argent, on laisse tomber les contingences matérielles et on essaie d'imaginer genre c'est quoi l'émission idéale. Ton émission idéale si l'argent n'était pas un problème. C'est ça. Et donc j'ai décrit Daxit tel que c'est aujourd'hui finalement. Oh. À deux, trois détails près, mais ouais. Mais justement, ça va devenir encore mieux. Et ça va devenir encore mieux. Grâce à vous. Quand on fait une émission, qu'est-ce qui coûte de l'argent? Pourquoi ça coûte aussi cher de faire une émission? Mais en fait, on ne s'en rend pas compte quand on est viewer devant sa télé. Et tu as un décor, tu as de la light, tu as du matériel vraiment physique. Que ne serait-ce qu'une cam, ça coûte très cher. Plusieurs cams, encore plus. Tu as des écrans. Donc tu as déjà le moyen, en fait, si tu veux, les besoins matériels, mais aussi humains. C'est-à-dire que derrière cette émission, on voit en effet... Quatre personnes en plateau qui changent, donc on va dire 5 avec la personne qui roule, mais derrière tu as 10 personnes. Tu as 10 personnes qui travaillent en constant derrière l'émission, que ce soit en tech, que ce soit en prod, que ce soit aussi en édito, etc. Donc créer une émission au final, c'est surtout des personnes qui, au-delà de ce temps où on est en live, bah, énormément travailler aussi à côté. On avait déterminé l'émission idéale. C'est ça. Et ensuite, on avait mis des chiffres en face pour se rendre compte de quoi on parle, etc. Et c'est là qu'on a commencé à affiner le projet pour essayer de ratterrir un peu sur terre, de se rendre compte de ce qui est réaliste, tout en étant quali. Exactement. Faire des concessions aux bons endroits, en fait. Et donc, on avait travaillé là-dessus, on avait mis les personnes autour de la table. C'est aussi toi qui avais mobilisé tous les corps de métiers différents, donc graphisme, communication, technique, etc. Plateau, on en parlera après. Mmh. Et après, on avait fait un pilote. Oui, on a tourné un pilote en avril dernier. Un pilote qui ne sera jamais diffusé, qui était interne. C'était un truc pour nous, pour calibrer l'émission, voir comment elle fonctionne et tout. Et ça, déjà, ça avait été un énorme travail, je me souviens, le pilote. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est en même temps l'ébauche, au final, de toutes les émissions qui vont arriver. Donc, c'est hyper important de créer, justement, cette ébauche pour se rendre compte, OK, bah, tout ce qu'il y a dans nos têtes, comment ça rend et qu'est-ce qu'on peut améliorer. Ouais. Sans ça, en fait, ça reste très virtuel, ça reste très imaginatif. On n'a pas de concret. C'est vrai que c'est devenu concret pour tout le monde à partir du moment où on a eu le pilote entre les mains. C'est, ça y est, l'émission, elle existait. En tout cas, on voyait à quoi elle ressemblait. Et ça nous a emmené. Ça a pris plusieurs mois entre le pilote et la première émission. Mais au moins, on savait assez précisément où on allait. Quoi. Exactement. Et ça, mine de rien, c'était vachement important. Mais ouais, avant le pilote, on a dû caler tout l'édito, on a dû caler le graphisme, évidemment. Oui, toute la direction artistique qui est derrière. Le plateau aussi, de fait. Oui. Donc on a bossé sur le plateau. D'ailleurs, c'est toi qui as bossé sur le plateau? Oui, oui, oui. Bah, t'as fait comment? Y a toujours plein de personnes aussi à côté, il n'y a pas que moi. Mais en effet, bah, on n'avait pas de budget, donc il fallait trouver une solution pour faire un nouveau plateau. Tout en restant bah, dans nos budgets. Donc il y a des personnes qui ont mis la main à la pâte, etc. Donc si tu veux, moi je suis allée sur le plateau. Toi aussi, t'as peint le jaune. Toi aussi, t'as non, mis moi, regardez, c'est pas assez. Ah oui, c'est ça. C'est Oscar qui peignait comme ça du jaune. Et toi, t'es là, tu fais remets une couche. C'est pas le bon jaune. C'est pas le bon jaune, je t'ai dit. Et oui, en parlant de plateau, bah, ça aussi, il a fallu le concevoir. C'est-à-dire qu'au début, tu m'as dit OK, mais de quoi on parle? Parce que là aussi, genre, tout est possible. On peut. On peut faire un plateau canapé, on peut faire un plateau table ronde, on peut faire un jacuzzi,
On peut faire, mais genre tout est possible. On peut te mettre en hauteur, ouais. Sur des échafaudages, on peut le faire sur la Tour Eiffel, on peut tout faire. Et donc du coup, on a fait un travail de prospection, on allait regarder les plateaux qui existaient déjà, on a regardé ce que je détestais et ce que j'adorais. On Exactement. A essayé de, là aussi, de trouver un compromis. Oui. Et t'as fait des plans 3D à ce moment-là ? Ouais, j'en ai fait pas mal. Pas mal de plans 3D, d'imagination, de ce qui était possible, réaliste, en fonction aussi de la taille du plateau, du recul caméra Bien et sûr. Tout. En effet, plus on est de personnes, et forcément sur un plateau, bah, t'as pas de place illimitée, donc réussir à faire en sorte que justement les cams arrivent à faire des... qu'on puisse avoir en fait au final, ne serait-ce qu'un plan large alors qu'on a 4, 5, 6 personnes, faut justement réfléchir en fait à une façon ouais. de placer les gens pour pas que ce soit justement tout ce qu'on a déjà pu voir et en même temps que ça nous rappelle quelque chose, que ça sorte pas non plus complètement de ce qu'on connaît. Parce ouais. que c'est sûr que si à un moment t'es dans une salle à part, qu'en fait t'as tes trois chroniqueurs et qu'en fait tu leur parles uniquement avec le micro, t'auras pas la même interaction que si t'es à côté, au milieu ou à gauche et ainsi de suite. Ouais. Et là aussi, pareil, on s'est posé plein de questions sur la disposition du plateau par rapport aux axes de regard. Oui. Où est-ce que je me mets moi ? Comment est-ce qu'on se place les uns par rapport aux autres ? Qu'est-ce qu'on a sur le bureau ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qu'est-ce qu'on voit à l'image quand sur les plans serrés et sur les plans larges ? Donc ça aussi, ouais, ça aussi, ça a été un gros travail. On s'est posé mille fois la question de... Enfin... Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est comme ça que tu le veux ? Est-ce que tu imagines comme ça ? Est-ce qu'on peut changer ? Comment on changerait ? Non, il n'y a pas de spoil, que des trucs que j'ai déjà dit. Moi, je voudrais un troisième chroniqueur en plateau. Je voudrais qu'on se donne la possibilité, si un jour c'est nécessaire, d'accueillir deux invités en même temps. Genre McFly et Carlito, tu vois. Au lieu de faire un choix, pourquoi ? Ouais, c'est ça. Bah, on va trouver des solutions, encore une fois. C'est le principe, c'est un peu mon job au final, de trouver des solutions pour faire en sorte que tout ce qu'on, en tout cas tout ce que tu aimerais, on puisse le faire en fait. Ouais, ouais, et moi j'avais dit que je souhaitais que cette émission soit en public, dans un monde idéal. Et je craignais que ce soit extrêmement compliqué. En réalité, c'est réaliste, c'est réalisable, pas dans les conditions actuelles, parce que vraiment, on s'est dit, avec les caméras, les lights, on s'est dit, mais attends, on les met où les gens ? Ça va être un peu cringe. Pour s'y passer un par un. Mais on va arriver avec les gens en public, et ça aussi, mine de rien, ça crée une dynamique assez différente sur l'émission. Enfin, moi, j'ai vraiment hâte. Ça va être cool. Ouais, carrément. Les gens qui ont donné sur le Ulule auront la possibilité de venir en plateau, assister au public. Applaudir, rire à nos blagues de merde. Réagir et passer un petit moment avec nous après. Non, en vrai, en fait, pour être très sincère, j'ai un parcours un peu atypique. En tout cas, un parcours étudiant un peu atypique parce que j'ai eu un bac STI électrotechnique. Sérieux ? Ouais. Et après ? Et ensuite, je suis partie à la Sorbonne pour faire une licence en arts plastiques. Ok. Avec une première langue vivante qui était japonais. D'accord. Aucun sens. C'est même jusqu'à présent, d'accord, ok. Et après ? Et après, je suis passée justement en master média design et art contemporain. Média design et art contemporain, ok, d'accord. Ce qui se rapproche, on va dire, quand même un peu plus de mon travail à l'heure actuelle. Et qui m'a permis aussi d'avoir cette façon de réfléchir au-delà, d'analyse, en fait. Qui okay. permet justement de poser les bonnes questions. Donc, ok, si ça, c'est comme ça, si ce projet-là doit être comme ça, qu'est-ce que je dois faire ? À quoi je dois penser, qu'est-ce qui va être primordial en fait okay. dans ce projet. Donc cet esprit d'analyse, j'avoue que je l'ai récupéré en même temps, tu vois, dans mes études quoi. Et comment, à quel moment t'as échoué dans le monde du jeu vidéo, de Twitch, de cette bande de gros cons là qui font des émissions impossibles Parce que en fait j'ai été streameuse quand j'étais plus jeune. C'est vrai que t'as streamé, ouais. J'étais il y a 10 ans de ça. ouais. Abonnez-vous. J'ai été streameuse sur la team Nvidia. Ouais. Ensuite, sur la multigaming de WoGaming. Et à partir de là, en fait, si tu veux, ça a été un peu normal pour moi. C'était un peu une révélation. Il fallait que je reste dans ce milieu-là, qui m'intéressait, que je comprenais, et qui était encore un peu dans les débuts, en fait, dans les prémices de sa vie. Donc, ouais, c'était que, parfait c'était, pour moi. C'était dans les années où ça s'organisait, ça se mettait en place, les premières boîtes de prod commençaient à naître. Et, ouais. Exactement. Et donc après, par la suite, en effet, j'ai rejoint Webedia pendant 5 ans. T'as bossé à Webedia pendant 5 ans, ouais. Où là, j'ai eu la possibilité justement de toucher à différents univers, pas que le gaming, pas que l'e-sport, mais aussi beaucoup d'e-sport, parce que je me suis occupée de compétitions mondiales, je me suis occupée de stands possiblement à Paris Games Week, à la Gamers Assembly, à l'Union e-sport, différents thèmes, et surtout aux barrières e-sport tour, où bah voilà, c'était mon bébé, c'était mon projet
sur lequel je me suis beaucoup investie parce que il fallait beaucoup de moyens. Ouais. On a un peu, pas révolutionné, mais en tout cas ramené un peu de fraîcheur le dans ce milieu. Ouais, le Paris eSport Tour, c'était devant l'hôtel de ville de Paris. Le Barrière eSport Tour. Ah non, le Barrière eSport Tour. C'est le Wanky Chaux Barrière, le Gotaga Chaux Barrière sur le lac. Ouais, ça y est, je m'en souviens. D'accord. Et du coup, une émission politique. C'est trop bien. Je veux dire, par rapport à ce que. Ouais, c'est ça, t'as fait gaming, eSport et tout. En vrai, en quoi ça change? Mais au final, si tu veux, pour moi, ça ne va pas changer beaucoup de choses. Ça va rester un talk show. Donc déjà, dans la disposition, on a déjà quand même une base. On ne travaille pas sur rien. Et après, ça va être au niveau d'édito et aussi comment toi, tu veux, en fait, est-ce que tu veux te rapprocher de la politique au niveau de ton plateau? Est-ce que tu veux justement qu'on mette des petits sur le plateau, tu veux un buste de Marianne, tu veux un drapeau européen? Exactement. Est-ce que tu veux partir en couille en se disant ok, on va se retrouver en fait dans les bureaux du président? Là, tu m'as dit, est-ce que tu veux... au début, je me souviens, on avait une discussion, tu m'as dit, est-ce que tu veux pas qu'on recrée un bureau présidentiel, genre avec des dorures et tout? Ou bien l'Assemblée nationale. Ou bien l'Assemblée nationale. Tu serais là en train de taper. On avait pensé à ça, tu te souviens, on avait voulu faire un hémicycle et tout, et j'avais dit, mais plutôt crever en fait. C'est ça. Genre, c'est mort de chez mort. À chaque fois que je dis, je veux faire une émission politique, les gens disent, ok, on va faire tous les trucs bien chiants là de la politique. Et moi, à chaque fois, je dis, non, allez crever. Sûrement pas. Carrément. Le fait que ce soit politique, ça change rien? Non, le fait que ce soit politique, ça change pas vraiment beaucoup de choses. Ça reste une émission, au final, si tu veux, avec toutes les personnes dont on va avoir besoin pour un talk show normal. Et ça te fait quoi de voir que les gens y donnent sur le Ulule? Bah, moi, je me suis ravie. Hein. Justement, ça nous permet d'aller beaucoup plus loin, de pouvoir, en plus en continuant, parce que là, c'était vraiment, on va dire, le minimum qui nous permettra justement de faire. Il ne faut pas oublier que c'est quand même une trentaine d'émissions. Avec minimum 15 personnes au final qui travaillent dessus. Donc en fait, si tu veux, ce budget-là, c'est vraiment le minimum pour faire quelque chose qui est aussi quali qu'on voudrait le faire. Donc plus on a et plus on peut se permettre justement de faire des plateaux encore plus chiadés, des trucs, ça fait encore un peu plus plaisir. Oui, parce qu'on rappelle que le budget total de l'émission pour que ça rentre dans les cases, c'est 200 000 euros pour une année d'émission. Et nous, on s'est donné comme objectif d'essayer de récolter au moins 50% via financement participatif, donc plus de 100 000 euros. On est déjà à l'objectif, mais plus on aura d'argent, y compris après 100 000 euros, plus on sera autonome. Non seulement plus on sera autonome, mais surtout qu'on pourra améliorer l'émission. Exactement. Parce que du coup, on va pouvoir retrouver des trucs qu'on avait dû supprimer parce qu'il avait fallu faire des compromis en disant, bah non, maintenant on a les moyens, on va pouvoir le rajouter, améliorer l'émission, avoir un meilleur desk, rajouter des caméras, rajouter des séquences dans l'émission aussi, avec peut-être des trucs tournés à l'extérieur. Enfin, on peut imaginer, encore une fois, tout est possible. On ne manque pas d'idées, je ne manque pas d'idées, mais on manque de moyens. Donc voilà, il reste très peu de temps pour donner sur le Ulule. On arrive bientôt à la conclusion du coup de ce financement participatif. Vendredi, le dernier jour, je ferai un live marathon de midi à minuit pour continuer à récolter au maximum. Donc voilà, donnez jusqu'au bout, parlez-en à vos amis, utilisez le lien traqué si vous voulez que vous avez reçu par mail et qui vous permet de gagner éventuellement un lot de l'équivalent des contreparties de 1000 euros pour vous, même si vous n'avez pas donné 1000 euros, c'est ça le jeu. Donc voilà, allez-y, continuez à soutenir ce Backseat. Ce projet incroyable. Continuez. C'est Georges, tu ne connaissais pas Georges? Si, c'est Georges, salut Georges. Georges. Salut Georges. Continuez.